micro, un de chaque côté, et nous allons alterner les questions par côté. Vous êtes assez nombreux, donc je suppose qu'il va y avoir pas mal de questions, donc je vous demanderai d'être suffisamment concis lorsque vous la poserez. Merci. Donc, nous attendons la première question. Bonjour. Moi, ma question, elle est simple. Comment, dans la perspective de ce que vous venez de nous déployer, vous interprétez le slogan d'égalité et réconciliation, gauche du travail et droite des valeurs? Vous m'avez répondu en barre, parce que je suis un homme extrêmement courtois, et je me dois avec courtoisie de respecter les autres. Mais vous, si vous voyez ce que je veux dire, qu'est-ce que je dis là? C'est juste un complément, sachant que c'est un slogan qui a été trouvé par un marxiste qui a rompu avec le marxisme, Jacques Doriot. Alors, Barthes répond comme Hegel, pour comprendre une question, il faut toujours aller à l'étymologie du concept qu'elle met en mouvement. Alors, c'est très simple, en 1789, vous avez une révolution capitaliste. Et cette révolution capitaliste, elle va broyer les hommes pour les intégrer dans la modernité de l'esclavage argent. Et à l'Assemblée, il va y avoir un débat autour du veto royal, et les députés qui vont se mettre à droite soutiennent le veto royal, et les députés qui se mettent à gauche contestent le veto royal. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises dans mes bouquins, faire une critique radicale et de la droite et de la gauche. Qu'est-ce que la droite? La droite, ce sont les gens qui acceptent le pouvoir qui vient de se sacraliser en la marchandise, mais qui veulent préserver l'antériorité de la marchandise. Et la gauche, ce sont ceux qui acceptent le pouvoir de la marchandise, mais qui veulent liquider toute l'antériorité de la marchandise. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au trou où la marchandise a annihilé toute son antériorité. Donc il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, il n'y a plus que des écuries électorales. Mais dans les groupes radicaux dont j'étais au sortir de 68, on a toujours eu pour slogan, la droite c'est la droite du capital, la gauche c'est la gauche du capital. L'extrême gauche c'est l'extrême gauche du capital. C'est-à-dire que droite et gauche ne sont que des fractions capitalistes. Donc, c'est là où moi je dis, il ne s'agit pas d'aller faire une sauce proudhonienne. On mélange ce qui aurait de mieux là et ce qui aurait de mieux là. C'est le grand saut en avant de radicalité, ni droite ni gauche, parce que c'est toujours le capital et vive l'émancipation humaine. Merci. Une autre question ?